Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. La journée d'aujourd'hui. D'abord, je me réjouis du succès que le FNDC a enregistré dans la protestation, dans l'opposition au projet de troisième mandat. Les Guinéens ont massivement répondu au mot d'ordre du FNDC. J'en suis très fier et je tiens à féliciter toutes celles et tous ceux qui ont accepté de répondre à ce mot d'ordre et d'exprimer aussi leur position par rapport au projet de troisième mandat. Voilà ce qui est bien dit. Donc cela veut dire que le peuple est avec FNDC, avec les leaders politiques et de la société civile. Absolument. Vous avez vu la dernière manifestation du 6. Il y avait beaucoup de Guinéens dans les rues à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, dans toute la Guinée a bougé pour montrer son opposition catégorique à ce projet de troisième mandat. Vraiment, je suis fier de ce résultat. Il y a eu tellement de manifestations pour faire comprendre à M. Alpha Condé que le peuple n'est pas avec lui. Et aujourd'hui, ça a été le départ du mouvement actif du FNDC. Alors, est-ce que M. Alpha Condé comprendra que le peuple n'est pas avec lui? Oh, c'est pas évident. C'est pas évident pour diverses raisons, parce qu'il est accroché au pouvoir, il ne veut pas le quitter, il a joui des honneurs et des avantages attachés au pouvoir, pas seulement des honneurs et des avantages légaux, hélas, parce qu'il y a un clan aujourd'hui qui s'est emparé des ressources du pays et qui les utilise pour leurs besoins personnels, et ce clan-là ne veut pas que M. Alpha Condé organise des élections pour partir dans l'honneur. Et malheureusement, il est tombé lui-même dans ce piège. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse déchiffrer le message que les Guinéens sont en train aujourd'hui de lui adresser. Mais dans tous les cas, je sais que les Guinéens vont continuer la lutte et qu'il sera obligé un jour ou l'autre vraiment de céder maintenant dans des conditions que nous souhaitions toujours paisibles pour le peuple guinéen. Qu'il prenne conscience, lui qui revendique 40 ans de combat pour la démocratie et pour l'alternance démocratique, qu'il puisse enfin réaliser que il est temps qu'il cède le pouvoir à celui que le peuple choisira démocratiquement en organisant des élections justes et équitables en octobre 2020. Pour cette première journée active des FNDC, est-ce qu'il y a eu des événements à déplorer? Oui, bien entendu, il y a eu des blessés par balles. Comme d'habitude, les gendarmes et les policiers ont fait usage de leur arme à feu. Un jeune Mamadou Sow, originaire de Tuntourou dans l'Abbé, naturellement, a été abattu à bout portant. Son corps est actuellement dans une clinique. Et la Croix-Rouge cherche à l'acheminer vers une morgue de la capitale. Alors, il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles Alpha Condé aurait donné des instructions pour que les corps des victimes de manifestations du FNDC ne soient pas admis dans les morgues des hôpitaux publics. Ce n'est pas une information vérifiée, c'est une rumeur. Mais nous allons la vérifier et si elle est avérée, naturellement, nous allons dénoncer une telle décision si elle est prise. Pour l'instant, c'est une rumeur, nous la considérons comme telle. Mais il y a eu deux morts, il y a Mamadou Sow dont j'ai parlé, il y a un autre dont je n'ai pas encore l'identité. Voilà, il y a Sekou Kaba, je vais prendre juste deux ou trois personnes parce que vous êtes très occupés, mais merci pour l'accueil. Il y a Sekou Keta qui dit, docteur Kaba dit que c'est le reçoit 2000 motos d'Alpha Condé par an. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, c'est ridicule. Alpha Condé ne m'a jamais rien donné. Il a certes introduit une loi créant le statut du chef de file de l'opposition et cette loi prévoyait des avantages. Mais même ces avantages-là, il n'a pas voulu que je les reçoive. Il a bloqué sous prétexte de continuer de m'attaquer à lui. Donc c'était apparemment une forme de corruption à laquelle je n'ai pas cédé. Et donc je ne reçois absolument rien d'Alpha Condé. Je n'ai reçu ni le véhicule d'escorte, ni le véhicule de commandement, ni le budget qui était prévu à cet égard, sauf pour une année 2017, il a après bloqué. Donc sur les 5 ans, pendant lesquels ce statut était défini, je n'ai absolument pas reçu un seul véhicule, une seule moto de la part d'Alpha Condé.
Voilà qui est bien dit, vous avez votre réponse. Alors, et là, je n'allons pas vous retarder. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire aux Guinéens face à ce qui se prépare par Alpha Condé? Les Guinéens, lorsqu'ils sont menacés, ils se retrouvent. Ils démolissent les barrières ethniques, politiques, pour être unis. Aujourd'hui, c'est la démocratie qui est menacée. C'est la paix et la stabilité de la Guinée qui sont menacées. Restons unis pour instaurer dans notre pays l'état de droit et surtout une démocratie apaisée. Et faisons la promotion de la tolérance, de la confiance et de la fraternité entre les fils du pays. La stratégie de Alpha, c'est de diviser les Guinéens en ethnies, en tribus, en partis politiques. Nous n'avons pas besoin de ça. Les partis politiques, c'est du sanakuya. Chacun peut aller dans le parti de son choix. Mais on ne peut pas opposer les ethnies comme il tente de le faire, comme il l'a fait en 2010. Et depuis qu'il est au pouvoir, il tente de le faire. Il tente de le faire. Je l'ai dénoncé le samedi passé. Il n'y a absolument rien qui oppose Peul et Malinké, qui oppose Peul et Soussou. On a envoyé, sur les instructions d'Alpha Condé, détruire la maison de ma belle-mère en disant que ma femme, ma belle-famille était étrangère à Kindia. Il y a moins d'une semaine, il a ordonné de s'attaquer aux boutiques des Peul. Il y a des années, il a dit d'abattre le cheptel des éleveurs Peul. Mais entre les Peul et les Malinké, entre les Peul et les forestiers, entre les forestiers et les Malinké, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Chacun d'entre nous accepte le fait qu'on est Guinéen et c'est une volonté de Dieu que nous devons et que nous sommes en train de respecter. Alors, je lance un appel à tous les fils de ce pays. Restons unis autour des valeurs essentielles. La justice, la démocratie, la paix. Faisons la promotion de la tolérance, de la fraternité et attaquons-nous aux vrais défis, les défis du sous-développement. Merci beaucoup, Elage. Merci. Et bonne chance surtout. Amou l'en fait. Amou l'en fait.